Bonjour à tous, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Aujourd'hui, on va s'intéresser à vos pires râteaux. Vous m'avez envoyé des dizaines et des dizaines de mails et souvent vous avez des belles histoires quand même, donc j'ai hâte de les lire. Juste avant, hey, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous ne louperez pas les nouveaux épisodes, vous ne louperez pas les nouvelles vidéos qui arrivent, il y a du très cool qui arrive. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est sortie récemment, c'est une chasse aux œufs géants avec Gizzy, Hello Carré et Emma. Pour la plupart, ça vous a plu, certains n'ont pas du tout reçu la notif, donc je me permets d'en reparler là, ici, d'accord. Il y a des vidéos du même type qui vont arriver, on vous prépare des petites vidéos. On est en train de prendre le temps de tout préparer, donc c'est pour ça que j'aime bien faire de temps en temps des petites vidéos où on raconte des anecdotes. C'est sympa en attendant qu'on prépare les autres. C'est parti, let's go. Toujours les pires lancements comme ça, mais c'est pas grave, c'est on y va. Allez. J'adore lire vos anecdotes. Vraiment, c'est un truc que je kiffe. Et quand je vois l'objet de Maeva qui dit il est parti avec son ex, c'est juste ça, le brief, le résumé de l'histoire. J'ai envie de cliquer, bien sûr, Maeva, et je vais cliquer. Donc, c'est simple. J'aime mon meilleur ami. On en a déjà parlé. C'est pas ouf de kiffer son meilleur ami. C'est pas ouf. Et je lui ai dit la veille de la Saint-Valentin, car il me parlait de son rendez-vous de Saint-Valentin. J'ai pas pu m'empêcher de lui dire ah, en gros, son meilleur ami lui a parlé de son rendez-vous. Il lui disait ouais, pour la Saint-Valentin, j'ai vu Marilyn. Putain, on était comme ça. Et elle, ça a dû la saouler. Elle lui a dit écoute, je t'aime, ok? Déjà, risqué. Et en plus de me faire best friendzoner, il a passé la Saint-Valentin avec son ex et m'a littéralement demandé ce que j'allais faire et si j'avais quelqu'un. Ça, c'est le mail envoyé à 5h31. Mais ensuite, petite nouveauté, il l'a embrassé. Envoyé à 6h11 le même jour. Et... je suis mort. Attendez, mais c'est incroyable. Et ensuite, elle a répondu à son deuxième mail de mise à jour le 28 février. Donc vraiment, les deux premiers mails, c'est le 15 février. Et là, on est passé au 28 février, 14h02, pour répondre. Et à maintes reprises. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu plus de 10 jours que elle s'est dit putain, il l'a embrassé comme ça, là, la Saint-Valentin, alors que moi, je lui ai dit que je l'aimais. Et 10 jours après, elle était toujours bloquée en mode... Et à maintes reprises en plus, faut que je le dise à Chris. Et je la vois partir envoyer son mail là. Incroyable. Bah écoute Maeva, je sais pas quel âge tu as. Je pense que au vu du mail, tu es très jeune. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres. T'inquiète, ça va bien se passer Maeva. Bonjour Chris, ce que je m'apprête à raconter n'est pas réellement un râteau, mais ça n'en reste pas moins un. Et non mais déjà ça commence à être compliqué. J'étais en classe de CE2, assise au premier rang, à côté d'une amie. Mais comme l'on était beaucoup trop bavarde, le prof avait décidé de me mettre au dernier rang, à côté d'un garçon qu'on appellera... Josh. Mais attends, mais on est où là? Attends, mais c'est quoi? C'est une série américaine? Ok, à partir de maintenant, je vais vous la raconter avec une ambiance de sitcom. Honnêtement, je ne l'aimais pas vraiment. Je le trouvais même assez basique. Et seuls ses yeux étaient plutôt beaux. Il ressemblait un peu à Malcolm. Et était assez petit et une dizaine de centimètres de moins que moi. Peut-être même plus. Mais c'est quoi ça? Je la vois comme ça en mode... Ça, c'est 10 centimètres de moins que moi, ça, c'est sûr. Je vois bien. Cependant, plus le temps passait et plus je le trouvais sympa et drôle. C'est ainsi que je me suis retrouvé à développer un crush pour Josh. Au bout de plusieurs mois, comme quoi le physique peut ne plus compter au bout d'un moment. Non mais c'est horrible pour Josh. Mais attendez, mais il était trop moche ou quoi là? Un jour, une amie me demande de lui raconter un secret. C'est alors que je décide de lui dire que j'étais amoureuse. Ayant confiance en elle, je lui ai dit, alors surtout, ne le répète à personne, mais j'aime bien Josh. On en a déjà parlé dans l'épisode 1 et dans d'autres vidéos, je crois. Ne dites pas à quelqu'un que vous crushez sur quelqu'un ou que vous êtes amoureuse de quelqu'un ou ne dites pas des secrets que vous voulez pas que les autres sachent. C'est sûr et certain, ils vont le savoir un jour. C'est alors qu'une semaine plus tard, j'apprends que toutes les filles de ma classe sont au courant. Je commence à être un peu énervé, mais je me dis, c'est rien. Je vous fais confiance, ne le répétez à personne. Elle est con, elle est très con. Mais on est d'accord, elle est con quoi. Quelques temps après, j'apprends que cette fois, toute ma classe, mis à part Josh, est au courant. Son ami qu'on appellera Johnny. Je voudrais faire la vanne, je pourrais pas. C'est incroyable. Son ami, qu'on appellera Johnny, avait d'ailleurs été plutôt sympa avec moi et me donnait des petits tips de temps en temps. J'ai donc répété ce que j'avais dit aux filles, au reste de ma classe. Je la vois trop dire d'abord à une fille, hey, ne répète pas que j'aime Josh, d'accord? Puis ensuite, je la vois dire à un autre groupe de filles, bon, les gars, ne répétez pas que j'aime Josh, d'accord? Et puis ensuite, à toute la classe, au fait, ne répétez pas que j'aime Josh, ok? Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, toute la ville sera au courant, mais pas Josh, tu vois. Sens. Plusieurs semaines passent et j'apprends alors que toute l'école, sauf Josh, est au courant. Mais voilà, on y est, on y est. Tout le monde est au courant sauf lui là, c'était sûr. Cette fois, je suis vraiment, mais vraiment très énervé. Mais j'essaie de rester calme. C'est alors qu'un jour, Johnny vient me voir et m'explique que Josh voulait me parler derrière l'école. J'adore les parenthèses. Il y a quand même marqué un endroit de la cour qui était strictement interdit. Mais Josh, tu es fou, tu es fou. On va se faire attraper là. Je suis un peu confuse, mais je décide d'y aller. Mais avant que j'y parte, Johnny me demande si c'était moi qui avait glissé un mot dans le casier du bureau de Josh. Oh, mais attendez, c'est une histoire incroyable. J'espère que vous êtes autant à fond dedans que moi. Je lui fais alors savoir que non.
Mais si c'est pas Nashi qui a mis le mot dans le casier de Josh, qui est-ce? Bien que stressé, je me dirige vers l'endroit interdit et vois Josh au loin. Je me dirige donc vers lui. C'est ainsi qu'avec le ton des plus sérieux, il me demande Alors c'est vrai que tu m'aimes? Il l'avait dit avec un ton assez condescendant, mais toute la colère et la rage que j'avais gardée en moi depuis le début de l'histoire ont refait surface et je pus m'empêcher de répondre non. Non. Et tu penses sérieusement que je serais capable de t'aimer? Puis, je suis parti, sans même me retourner. Et je voulais plus entendre parler de cette histoire. C'est décidé, je ne l'aimais plus. Quelque temps plus tard, Johnny était venu me donner le fin mot de l'histoire. Il se trouve qu'une fille ne m'aimait pas du tout. En ayant appris que j'étais en crush sur Josh, elle avait écrit une lettre de déclaration et avait signé mon nom sans que je le sache. Et l'avait glissée dans le bureau de Josh. Et c'est ainsi qu'il a appris que je l'aimais. Voilà, voilà. Littéralement mon seul unigrato, même si je ne l'ai pas franchement mal vécu. Bah super alors, tout ça pour qu'elle nous dise en plus à la fin, je m'en bats les couilles. Genre vraiment, bon Josh il est cool mais sans plus. En tout cas j'adore ta façon de raconter des histoires, c'est incroyable. J'espère que j'aurai respecté la façon de raconter ton histoire. Merci beaucoup Nashi pour cette histoire incroyable, des bisous. Moi je vais te raconter l'histoire triste qui est arrivée à ma meilleure amie, donc voilà. Elle sortait avec un gars et en fait ce mec avait dit pas de bisous sur la bouche avant Noël. Ok, peut-être par rapport au petit Jésus. On sait pas, ne jugeons pas. Donc là, ça se passe, et là, un mois avant Noël, il vient la voir à la récréation pour dire et beaucoup de récréation, hein. Vous êtes très jeune. Je pense que là, on est sur du collège, parce que je connais rarement des gens qui disent hop hop hop, pas de bisous avant Pâques, ok? Sinon, ça marche pas, sinon c'est pas ouf. Il vient la voir à la récréation pour dire bah voilà, Marilou, j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer, je te quitte. Ah ouais, c'était vraiment ignoble de sa part, surtout que ma copine a pleuré pendant 2 semaines à cause de ce con. Mais le pire, c'est qu'il faisait partie de notre groupe d'amis. Lorsque tu vois la gêne, le groupe s'est un peu divisé, mais après 3 mois, ma copine lui a pardonné et il est revenu dans notre groupe. Primaire, ça c'est primaire, c'est pas collège. Là on est sur du primaire. Merci beaucoup Dominica pour cette histoire incroyable. T'imagines, elle a attendu 1 mois pour au final se faire larguer, il y a même pas eu de bisous. On est où là? Putain, ça dégoûte. Le râteau de la muerte. Il y a des objets comme ça où j'ai envie de lire vos histoires. Voilà. J'étais amoureuse d'un garçon et une de mes potes lui a dit et il a commencé à plus me parler. Super les copains, super! J'en parle à un autre de mes potes et je lui ai dit ce que je voyais, c'est-à-dire qu'il parlait à une de mes amies beaucoup en physique chimie. On est de retour au collège. Je sens que l'histoire elle est nulle. Maman, vous voulez mon avis? Je sens que l'histoire elle est nulle. Je sens que c'est une histoire en mode ah ouais, tu parles à cette fille en physique chimie. Eh ben je te me parle plus Brandon. D'accord, laisse-moi tranquille, laisse-moi. Je vais parler à Alexis en maths et tu vas beaucoup moins faire le malin. C'est sûr que c'est un truc comme ça. C'est sûr. Il parlait du coup à une de ses amies en physique chimie. Et ce débile de pote, il en a parlé au mec qui est un de mes amis. Et je savais que ça allait niquer notre amitié. Donc à la sortie, il me crie dessus, je t'aime pas. Et je te remplace pas avec nom de ma pote. C'est juste qu'elle est mieux. Je suis parti en pleurant et devinez quoi, il s'est mis à me bloquer partout et à m'ignorer. Donc j'avais raison, ça a niqué notre amitié. Et quand on lui demande pourquoi il me boude, il ressort des trucs d'il y a des années auparavant. Quel connard. C'est des histoires que j'ai connues, genre, c'est dans l'école, t'as des potes. Et quand tu vas parler de temps en temps à tes autres potes, et bah, ils sont en mode. Ah ouais, ça remplace comme ça là. C'est ça, ça remplace comme ça là. Et t'es en mode, juste tu t'intéresses à d'autres gens, tu remplaces pas forcément les gens, tu vois. Et eux ils sont jaloux. C'est la jalousie en amitié. Oh, c'est un trop bon sujet, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes jaloux en amitié? Parce que jaloux en amour, il y en a beaucoup, dont moi. Mais est-ce que vous êtes jaloux en amitié? Je connais des gens, j'ai des potes qui sont jaloux en amitié, même des fois beaucoup. Moi, en vrai, je crois que je m'en bats les couilles. Mais c'est vrai que même dans le monde d'adultes, parce que là c'est vraiment collège, je pense, mais le monde adulte, tu vois, où les gens sont plus vieux et tout, bah en vrai, ce genre de situation, ça existe encore. C'est un peu triste. Ah ouais, tu me parlais il y a 2 jours, maintenant tu me parles plus, tu vas parler à machin. Super, génial. Bah on se parle plus, on ira plus boire un verre. Salut. Quand j'étais au collège en 5ème, pendant plus d'un mois, un gars et moi, nous nous sommes tournés autour. Vient le jour fatidique. Nous étions dans la cour à nous tourner autour, comme d'habitude. J'imagine trop des gens comme ça en fait. J'ai envie de faire venir quelqu'un ici pour qu'on se tourne autour, mais c'est trop d'énergie pour une vanne aussi nulle, tu vois. Bon, bah, bref, j'imagine des gens se tourner autour. Bon bref, ta gueule. Juste, je ferme ma gueule, c'est bon. Et là, il me sort un. J'aimerais bien sortir avec toi, mais uniquement si tu fais du sport. Attends quoi? Attends, mais c'est horrible. C'est limite, il aurait dit. Je veux bien sortir avec toi uniquement quand tu seras plus belle. Parce que là, je t'avoue que tout entendu, tu es trop grosse comme tu es. Bref, pire personne au monde. Bisous, force à toi. Bon après, c'était en 5ème. C'est horrible ce que je veux dire, mais ça me choque pas en 5ème. C'est comme en 6ème, il y a une fille qui voulait sortir avec moi. Et genre, je la trouvais pas très jolie. Enfin, c'était pas. Elle était très gentille. Ça, y a pas très gentille. Mais pas très jolie, tu vois. Et on était en 6ème. Elle me tourne autour comme ça. J'abandonnerai jamais cette vanne, d'accord? Et elle me tourne autour et tout pendant plusieurs semaines et tout. Genre, elle force un peu limite, tu vois. Elle avait des potes avec elle qui forçaient un peu et tout pour que j'accepte et tout. Et moi, déjà, de base, j'étais très timide. Le fait d'être très timide, les filles me faisaient peur, tu vois. J'avais beaucoup de mal à parler aux filles et tout. Et du coup, le fait de forcer, ça m'a pas mis à l'aise. Et en fait, j'avais d'autres potes qui forçaient eux de leur côté.
côté ou de la famille même. J'avais un peu de la famille qui forçait. Et du coup, ça ne mettait pas du tout à l'aise pour dire ok, vas-y, viens, on sort ensemble. Non, c'est impossible ça. Et du coup, on serait peut-être sortis ensemble si on n'avait pas autant forcé. Bref, j'ai dit non. Et du coup, les années passent. Arrive la troisième. Ou par contre, en troisième, elle avait beaucoup changé et elle était bien plus jolie. Mais alors vraiment bien plus jolie, genre elle était jolie. Et du coup c'est moi qui ai retourné vers elle. Je crois pas qu'elle m'ait mis un râteau, mais juste en fait j'avais pas envie de forcer et du coup c'est moi qui ai un peu coupé en mode j'ai pas osé aller trop vers elle en mode vas-y viens, tu vois. Et en fait ma peur des filles m'a fait faire c'est comme si d'un coup tu démarres et d'un coup tu non tu repars quoi. Et du coup j'ai fait ça et c'est passé comme ça. Je sais pas si elle m'aurait mis un râteau, en vrai j'aurais jamais su. Et c'est un peu comme ça, tu vois. Je pense que là il te dit en 5e ouais non vas-y fais du sport. Ça se trouve de la 5e au lycée par exemple tu vas te métamorphoser parce que la puberté, parce que plein de choses, tu vois, et tu vas devenir un canon de ouf et t'inquiète même pas qu'il reviendra vers toi. Il reviendra en rampant le gars. Et toi tu seras là en mode non. non. Dégage. Il y a quelques années, une de mes amies a donné mon compte Snapchat à un gars de sa classe. Je ne le savais pas jusqu'à temps que celui-ci m'écrive. J'ai jamais eu Snap. Jamais. J'ai jamais eu Snap en fait. Genre vraiment. Et je pense que j'ai raté des bons bails sur Snap. Je pense que j'aurais dû mettre Snap. Donc je ne l'avais jamais vu. Je ne connaissais pas sa voix, rien de tout ça. Ah ouais, donc physiquement et tout non plus quoi. Je devais avoir environ 17 ans à ce moment-là. On s'est parlé pendant 2-3 mois et après un moment, il voulait qu'on se rencontre. Je suis de nature anxieuse, donc j'hésitais beaucoup. Un jour, j'ai décidé d'accepter, mais j'ai pris mes précautions. J'habitais proche d'un café. Donc je lui ai dit de passer me chercher là pour pas qu'il sache où j'habite. Et j'ai dit à mon meilleur ami que si je le textais de m'appeler et de faire semblant d'être mon père pour me sauver de là. Ok, ça c'est incroyable. Ça c'est un bail qu'on beaucoup connaissent. Vous avez un date, vous êtes pas trop sûr de votre coup, briefez un ami, dites-lui si je t'envoie, go. Tu m'appelles, tu dis que t'as besoin de moi et tout. Et toi tu joues la comédie, tu vas oh, ok mais là je peux pas. Ok d'accord, vas-y bah vas-y j'arrive et tout. Et tu quittes ton date en deux. Et ça te sauve une vie, hein. Croyez-moi. Il arrive me chercher et il n'a pas du tout la même tête que sur les photos qu'il m'a envoyé. Classique. Il a une voix hyper aiguë et cassante comme s'il n'avait pas mué. C'est Michou en fait. Elle a date Michou. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il est très grand et très massif, ce qui me rassure pas du tout. Il se met à conduire et à m'apporter 20 minutes de chez moi dans les bois alors qu'il est environ 21h. Il s'arrête à un endroit où il n'y a personne et commence à essayer de m'embrasser et à me toucher. Mais quoi? J'ai écrit help à mon meilleur ami, il m'a appelé dans la minute qui a suivi. J'ai fait semblant que c'était mon père et que ma mère était à l'hôpital et que je devais absolument m'en aller. Il a accepté d'aller me porter après 10 minutes d'argumentation. Finalement, il m'a harcelé pendant plusieurs mois. Après que je lui ai dit que je n'étais pas intéressé, maintenant j'ai 22 ans et ça fait 5 ans que je sors avec mon meilleur ami de l'histoire et nous avons un petit garçon de 7 mois. Comme quoi des fois il faut pas trop chercher trop loin. C'est incroyable. Attends mais t'imagines, elle aurait pas briefé son pote, mais ça se trouve elle aurait pu se faire violer et il aurait pu se passer 10 000 scénarios. C'est horrible. T'as le meilleur ami du monde qui est devenu du coup ton mec et le père de tes enfants. Donc écoute, je pense que votre couple est solide comme un roc. Pire date Tinder. Alors ça j'ai envie de savoir. Vraiment genre moi les trucs adopte un mec Tinder et tout, genre j'y suis jamais allé. J'ai envie de savoir c'est quoi l'ambiance. Parce que tous ceux qui sont là-dessus ils ont envie de ken, tu vois. T'es pas sur Tinder pour se faire pote. C'est impossible, j'y crois zéro. Genre imaginons l'objectif c'est que de ken, tu vois. Est-ce qu'ils font un resto et tout pour apprendre à se connaître? Ou alors est-ce qu'ils se disent bon bah voilà on sait tous les deux ce qu'on veut, est-ce qu'on y va? Genre moi je serais plus dans ce style là en mode bon bah... Peut-être y aller un moment. Peut-être, hein. On sait ce qu'on veut, donc pourquoi on boit un chocolat chaud là? Je comprends pas. J'ai un date avec un gars avec qui j'avais matché sur Tinder. On avait parlé quelques semaines. On se donne rendez-vous. On va faire une petite balade. Mais t'imagines, elle avait matché avec un mec sur Tinder, tu vois. Il parle pendant quelques semaines et il se voit. Ça matche pas. Et au lit, c'est nul. Mais gros, t'as perdu plusieurs semaines. On se donne rendez-vous. On va faire une petite balade que j'avais demandé pour être sûr que le date serait safe. On connaît. Je suis content de pas être le seul. C'est le seul où tu sais que t'as un date et t'as peur que ce soit gênant. Parce que quand tu vas boire un verre, si t'es avec une personne qui a pas beaucoup de conversation ou qui discute pas facilement, faut y aller, hein. Parce que si tu discutes et qu'il répond juste ouais, de ouf. Ouais, non, mais grave, ouais. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est horrible, hein. Pendant une heure, c'est horrible. Et du coup, des fois, en balade, tu peux te dire des ah putain, mais je savais pas que c'était comme ça. Putain, mais je viens jamais ici. C'est vraiment que c'est joli. Et en fait, ça meuble un peu le truc horrible, tu vois. Donc, je pense que la balade, c'est un bon truc. Si tout se passait bien, on avait convenu que j'irais chez lui après. Ok. La balade a été expédiée. Ok. Je sentais qu'il voulait qu'on aille chez lui assez rapidement. Ok. Ok. Alors, pas de chocolat chaud, il a pas le temps lui. Hein. Une fois chez lui, je sens qu'il veut déjà qu'on couche ensemble. Mais hey, mais les meufs, vous êtes à l'ouest des fois. T'as cru que quand t'allais rentrer chez lui, il allait te dire viens, on fait un croque-carotte? Bah non, forcément qu'il a pas envie de ça. Je sais que toutes les meufs, vous êtes pas comme ça à vous dire putain, ça se trouve, c'est l'homme de ma vie. Mais putain, mais s'il a expédié la balade, c'est pas pour rien. Hein. Pourtant, j'aurais bien aimé discuter un peu plus sans tension sexuelle. Parce que je comprends. Il y a des personnes qui aiment bien discuter, prendre son temps et tout. Il y a des personnes comme moi qui, ça, on s'en fout. Car même si j'avais envie, je me
me sentais pressé par son comportement. On a quand même discuté rapidement, on avait commencé à être assez proches physiquement. Je ne sais pas si ça peut être dit comme ça sur YouTube, mais il me touchait la poitrine et les fesses. Bah là c'est plus du coup assez proche physiquement, là c'est bah il te plotait quoi, genre il était bien là. Comme j'étais un peu gêné par l'ambiance, je lui ai fait une blague et il l'a plutôt mal prise. Je me suis donc excusé, je ne pensais pas ce que j'avais dit, je tentais juste de casser un moment de gêne, franchement une blague bon enfant. Mais on veut savoir la blague, c'est quoi la blague? C'est quoi la blague? Bah non mais la blague. Bref, on couche assez rapidement ensemble, j'étais toujours gêné car j'aurais bien aimé qu'on prenne plus notre temps. En plus c'était vraiment pas ouf. Après ça on mange et je fais un tour rapide à la salle de bain. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? On veut savoir la blague! Parce que moi, je vais vous dire un truc, moi les meufs qui, quand tu commences à te chauffer, quand tu commences à te toucher avec la meuf ou le mec ou j'en sais rien, tu vois, et que la personne te lâche une blague, moi ça casse tout, hein. Moi j'ai plus envie de rien. Moi perso, ma meuf et tout, on commence à chauffer et tout, et elle me fait une blague, je suis en mode, bah tu fais quoi par contre? Genre tu casses l'ambiance là, ta gueule. Je trouve les blagues dans ces moments-là horrible, ne faites pas ça. Mais du coup, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de vidéo, parce que j'aime bien savoir si vous êtes du même avis que moi. Est-ce que vous, les blagues, ça vous casse l'ambiance? Est-ce que vous avez besoin de garder cette espèce de tension sexuelle? Ou alors cette ambiance sensuelle, au contraire, tu vois? Je sais pas, moi oui. À la sortie, on avait prévu de remettre le couvert. Il m'explique qu'il a un impératif professionnel apparemment, et qu'il doit partir, et donc moi aussi. J'ai un peu de doute sur cet impératif, car j'ai assez peu confiance en moi, et je me suis dit que je l'avais peut-être dégoûté physiquement, car je sais que je ne suis pas une bombasse, et qu'il avait cherché un moyen de me faire dégager. Mais il part de chez lui et me dépose en chemin. Je me dis alors que j'exagère peut-être, surtout qu'en me déposant, il me dit qu'on trouvera un moment pour se revoir, qu'il est désolé de me lâcher comme ça et surtout qu'il avait discuté en amont du fait que si je lui plaisais pas et vice versa, on se le dirait. Ouais, alors je connais très peu de mecs qui oseraient dire à une meuf tu me plais pas. Genre respectueusement, mais juste en mode tu me plais pas. En plus, après avoir couché avec, tu couches pas avec une meuf qui te plaît pas, tu vois. Ou alors t'as juste besoin de te vider et faut y aller. Ce qui est horrible, horrible. Après, zéro nouvelle de sa part. J'ai l'idée assez mesquine, j'admets, de checker ses réseaux. Il avait partagé la blague que je lui avais faite, pas très grave, mais pas ouf. Mais c'est ça qui fait de ce date le pire de ma vie. En effet, quelle fut ma surprise quand j'ai découvert dans les réponses de son tweet le commentaire d'un des potes qui expliquait que mon date l'avait appelé à l'aide. Attends, mais je crois que je connais cette histoire. Je me rappelle d'un tweet où il y a quelqu'un qui avait tweeté son date. Oh, mais attends, c'est il y a pas si longtemps. Il avait tweeté son date et il y a la meuf du date qui avait répondu en dessous, je crois. Je sais pas si c'est toi, mais c'est incroyable si c'est le cas. Je sais pas si tu as Instagram ou Twitter, mais envoie-moi le lien du tweet. J'aimerais trop le voir, s'il te plaît, je t'en supplie. J'ai besoin de savoir. J'ai découvert dans les réponses à son tweet le commentaire d'un de ses potes qui expliquait que mon date l'avait appelé à l'aide. Et mon date, donc le mec à qui elle a dette, lui a rep qu'il était sur le point de mourir pendant notre rendez-vous. Il avait pas de soucis à me ken pourtant. Évidemment. Évidemment. J'étais et suis toujours un peu blessé qu'il ait affiché ça, que le date était si nul qu'il allait crever, pas la blague. Mais on veut savoir la blague! On veut savoir la blague! Parce que ça se trouve, la blague, on aurait dit, ah ouais, j'avoue, c'est chaud. Tu vois? Là, on sait pas, là, j'ai envie de savoir là. Je vais lui répondre. Attendez, bougez pas. J'aimerais avoir la blague STP. Et le lien du tweet, si c'est possible. C'est répondu, c'est acté, let's go. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'adore lire vos anecdotes. Je vous rappelle que si vous voulez m'envoyer vos anecdotes, et peut-être passer en vidéo, l'adresse s'affiche ici. Elle est également dans la description si vous voulez la copier, coller. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est cool de faire de temps en temps des petites vidéos où je raconte vos anecdotes, j'aime bien cet échange entre vous et moi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère qu'elle vous plaira. Bye! Hey, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous!